Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droit à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Écoutez, moi je suis Tariq Ramadan, je suis professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, entre autres différentes fonctions et j'essaye autant que faire se peut d'écrire des livres liés à ces questions. Enchanté Monsieur Ramadan, nous aimerions connaître dans un premier temps quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. Bah écoutez, je pense que dans l'intitulé même de votre organisation, elle est liée aux droits humains et les droits de l'homme. L'une des caractéristiques et des principes, l'un des principes fondateurs des droits humains, c'est l'égalité de tous les hommes en essence et devant la loi. Le racisme et la discrimination, c'est exactement le contraire. C'est établir des hiérarchies qui peuvent être basées sur la couleur, qui peuvent être basées sur la culture. Et aujourd'hui, on a un nouveau type de racisme qui est un racisme basé sur la religion. Et de ce point de vue-là, c'est pour n'importe quelle femme et n'importe quel homme qui lutte pour la reconnaissance des droits humains et l'égalité des femmes et des hommes, un des principaux champ de résistance avec cette condition, d'après moi, c'est qu'il ne faut établir aucune hiérarchie entre les racismes. Tous les racismes, sans exception, et toutes les xénophobies sont à bannir et à condamner. Concernant ce collectif, ils ont eu des rapports du défenseur des droits, ils ont eu des plaintes déposées par l'inspection du travail, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Trouvez-vous cela normal? D'abord, ce n'est pas normal, mais en amont, il y a un vrai problème. En amont, c'est que déjà, il y a une loi. Et la loi, elle est très très claire. Et puis ensuite, il y a des règlements internes. Puis ensuite, normalement, toute institution, toute entreprise doit avoir le respect de la loi quant à son institution et le respect de son grand règlement interne quant à son fonctionnement. Ce dont on s'aperçoit, et c'est le cas dans l'institution SNCF et beaucoup d'autres institutions françaises, c'est qu'on a un règlement interne, on le présente chaque fois qu'on a un problème. Et on s'aperçoit que les fonctionnements et que les attitudes, et pas simplement les attitudes d'individus, parfois c'est les fonctionnements et les processus d'évolution des travailleurs dans l'institution, c'est-à-dire de progression dans le salaire, de progression dans le statut, mais il y a des blocages. Il y a ce qu'on appelle le plafond, qui est un plafond transparent que personne ne voit, mais auquel beaucoup se cognent. Et là, à partir d'un certain moment, on s'aperçoit, c'est le cas, que il y a des règles qu'on ne respecte pas, il y a des discriminations que l'on connaît, qu'on a même identifiées vis-à-vis desquelles on ne réagit pas. Et donc on vous dit oui, bien sûr, on reconnaît, mais reconnaître ne suffit pas, c'est réformer et transformer qui est important. Ensuite, il y a des processus qui sont des processus de recours, même si à un moment donné on ne reconnaissait pas. On doit pouvoir avoir un recours pour pouvoir aller plus loin dans les procédures. Et tout à coup, on s'aperçoit que dans une espèce de gris institutionnel, une espèce de rapport pas clair à la loi, pas clair au règlement interne, on entretient l'immobilisme, on entretient finalement quelque chose qui, du point de vue des droits humains, est le pourrissement de la situation par la non-clarté des procédures. À titre personnel, avez-vous déjà été victime de discrimination, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de la vie privée? Bien sûr, très très souvent. J'étais jeune d'origine égyptienne en Suisse, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à ce moment-là. J'ai fait face au racisme, j'ai fait ça face aux propos racistes. Ensuite, même dans le cadre de mon travail, j'ai à des moments donnés été confronté en l'occurrence à des faits d'impossibilité d'avoir accès à un emploi malgré la reconnaissance des compétences. Et puis, beaucoup plus clairement, en France aujourd'hui, je fais référence, je fais face à des réalités absolument incroyables. C'est le seul pays au monde, le seul, je dis bien pays au monde, dans lequel je ne peux pas intervenir dans une université, parce que quand on m'y invite, tout à coup, il y a soit des services, soit des pressions, soit des téléphones qui viennent, on ne sait où, ou alors on sait trop bien, qui empêchent cette parole-là, et on s'aperçoit d'une valeur qu'est la liberté d'expression, qui est protégée par la loi et pas appliquée
par les institutions et pas appliqué par ceux qui défendent la liberté d'expression. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans que je fais face à cela, plus de 30 ans que je continue à penser qu'il faut faire ce que vous faites, à savoir institutionnaliser les processus de résistance en disant ben, on ne peut pas laisser faire ça, il y a une loi dans ce pays, il y a des règles, il y a des règlements intérieurs, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, ben, on va continuer la voie de la procédure légale. Pourquoi ? Parce qu'on est des citoyens, parce qu'on est des femmes et des hommes qui vivons dans ce pays et qu'on veut que notre présence soit respectée dans l'essence, c'est-à-dire pas de racisme, et dans l'emploi, c'est-à-dire pas de discrimination. Le slogan de l'association « La violence recule là où la solidarité avance », est-ce qu'à l'avenir nous pouvons compter sur votre soutien pour nos futures mobilisations citoyennes ou nos futures démarches administratives ? Oui, parce que d'ailleurs j'adhère complètement à votre slogan, la notion d'une solidarité qui avance et qui ferait reculer tous les foyers de potentielle violence, ça c'est très important, mais c'est vrai en même temps qu'il faut cette solidarité-là. Il faut aussi que vous ajoutiez à la philosophie générale de votre engagement le courage et la détermination. Le courage, parce qu'il faut oser se lever, et la détermination, ça prend du temps. On change pas les mentalités du jour au lendemain. Et d'un point de vue personnel, je suis de tout cœur avec vous, de toute intelligence, et quel que soit le combat que vous mènerez pour qu'en France, il y ait plus de justice, non pas simplement dans la lettre de la loi, mais dans l'esprit des citoyens qui composent ce pays, plus la France ira mieux. Donc de tout cœur avec vous, oui. Monsieur Ramadan, merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce temps que vous nous avez accordé. Je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci.